Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager que trop souvent, on va faire l'autruche plutôt que d'affronter ses peurs, ses problèmes, les problèmes, les peurs, etc. D'ailleurs, important, le mot mais ou le mot c'est change déjà beaucoup de choses. Mais on les garde, on les possède, ma maladie, mes peurs, ou bien les maladies, les peurs, on prend de la distance. Donc rien qu'un petit mot comme ça a déjà un impact différent sur nous. Donc je parlais de faire l'autruche. J'ai une amie, notamment pour prendre un exemple concret près de moi, qui est narcoleptique. Du coup, elle s'endort par moment, d'un coup, paf, elle tombe. Ça dure en général une quinzaine de minutes et puis elle reprend conscience, connaissance. Et on a remarqué, en passant une semaine ensemble, on a remarqué qu'à chaque fois, c'est quand quelque chose la dérangeait. Elle faisait l'autruche. Voilà. Donc, à bon entendeur, arrêtez de faire l'autruche, affrontez vos problèmes, les problèmes, affrontez les peurs. Vous allez voir, c'est pas si monstrueux que ça, ça va disparaître. Pour la plupart en tout cas, on en fait toute une montagne avec notre mental et en réalité, une fois qu'on y fait face, ça s'efface. Ce à quoi l'on résiste persiste et ce à quoi l'on fait face s'efface. Même si c'est très joli une autruche, arrêtez de faire l'autruche, vous avancerez dans votre vie. Gardez les trains qui passent, les pieds y montent et sont parvis. J'aurais fini par rouiller.